Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre lundi 18 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, le 18, 8 et 1, 9, le 9. Le 9, il nous invite à prendre du recul. C'est la fin d'un cycle en 9. Hein. Ça peut être la fin dans un domaine sentimental, ça peut être la fin d'un contrat, malheureusement, d'un engagement. En fait, vous l'avez compris, on est davantage dans le dénouement que de commencer quelque chose. On peut apprendre aussi un décès autour de soi. On peut aussi mettre fin dans le domaine amical, pardon. Ça veut dire qu'on fait du ménage autour de soi. Alors, quoi qu'il en soit, quand même, en neuf, on va prendre des décisions, mais on prend pas de décision à la hâte, vous voyez, on réagit pas brusquement, on prend le temps de la réflexion. Côté négatif de notre neuf, on veut être au centre de l'attention, en fait. On veut vraiment, il faut absolument qu'on s'occupe de nous. En neuf, certaines personnes vont vouloir vraiment qu'on s'intéresse à elles et qu'à elles. On est instable, incapable de terminer des choses, rechercher la flatterie, vaniteux. Côté positif, on est spirituel, compétent, désintéressé, compatissant et facile à vivre. Alors, notre lundi est associé à la lune. La lune, c'est les émotions. Les émotions, la création, le partage, l'intuition également. Hein. Couleur associée à notre lundi, le blanc et le jaune pâle, les amis. Alors, on va prendre un message avec l'oracle des icônes. On va regarder quel est ce poème sibyllique ou cet message que l'on a à recevoir pour notre lundi 18 novembre 2024. Lundi 18 novembre 2024. Indulgence. Il va être demandé aujourd'hui de faire preuve d'indulgence, comprendre et pardonner. Parfois c'est difficile, hein. Et pourtant il va falloir le faire dans cette journée. Surtout il va falloir le faire très sincèrement. Cela vous ôtera des peines, des tourments. Votre cœur sera ainsi des plus tranquilles, apaisés. Aujourd'hui, les amis, l'heure est au pardon, savoir accepter, pardonner. On ne dit pas qu'on oublie, mais on pardonne. Savoir pardonner en lien avec les émotions du lundi. Voyez un peu comment ça peut vous parler. Là, faire preuve d'indulgence aujourd'hui. Allez, lundi 18 novembre 2024, lundi 18 novembre 2024. Avec certitude, ça cogite, le mental perturbe, on pense à quelque chose avec certitude, peut-être aussi que l'on pense à un contrat, un engagement, une signature par rapport à un déplacement qu'il va falloir donc faire. Avec certitude, il est question de ce contrat. Pour ce faire, il va falloir se déplacer et on y pense beaucoup. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, neuf. 10. Alors, au dos, nous avons une situation qui est du lointain, autre ville, autre département, autre région. Avec certitude, il est question de se déplacer. Aujourd'hui, ça revient. Hein. Il y a une petite démarche, un petit déplacement, qui est une situation peut-être pour aller voir un homme qui est au loin, une situation qui est en dehors de votre cadre habituel. Ma foi, elle n'est pas trop loin parce que là, on est sur le petit déplacement. Ou alors, c'est pour mettre en place une situation qui concerne un grand déplacement. Peut-être un voyage.
Ici, nous avons vous, ma consultante ou la femme la plus proche de vous. Nous avons ici votre quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Ça peut être aussi un fils, un petit-fils, personne amicale en tout cas. Et il y a un franc succès ou pour lui ou en lien avec lui. On voit qu'il peut être question aussi du travail là. Alors peut-être un résultat, vous allez apprendre, vous, ma consultante, que pour une jeune personne autour de vous que vous affectionnez, que vous appréciez, il a une réussite concernant l'activité professionnelle. Nous avons ici cet homme. Alors là, on peut y avoir le couple hein, aussi, ou un homme autour de vous. En tout cas, il y a des projets. Vous avez peut-être avec votre chéri des projets qui vont amener une grosse transformation. Pour certains, peut-être que les projets, là, il y a quelque chose qui s'arrête net, un gros blocage. Mais en tout cas, on peut voir aussi que ça va amener un très gros chamboulement. Hein. On va le recevoir par des papiers administratifs, on va le savoir. Maintenant, il peut y avoir aussi un gros chamboulement pour une jeune fille brune, ou en lien en tout cas avec elle. Ça peut être un couple d'ailleurs. Hein. Nous avons ici cette jeune personne, fils, petit-fils. Ça peut être aussi votre chéri plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. On voit bien que vous y pensez. Hein. En tout cas, vous, dans vos pensées, il y a ces jeunes hommes, ces jeunes gens autour de vous. Quelque chose que vous allez apprendre assez vite. Nous avons la carte de la rapidité ici. Situation en lien avec votre sœur, votre fille, votre meilleure amie. C'est un contrat, un engagement, une signature. On se met peut-être d'accord sur une situation. On voit ici, ma consultante, que très vite, vous allez avoir des nouvelles. Un papier, un courrier, une lettre ou des nouvelles de jeune fille brune. Nous voyons ici cet homme. Cet homme peut être votre chéri, accompagné de votre fils, petit-fils. Voyez voir un peu comment ça vous parle. Nous avons ici votre sœur, votre fille, votre meilleure amie, il y a peut-être une histoire familiale également. Hein. Nous avons ici un jeune gens qui peut être aussi la même personne, votre chéri, mais qui peut être aussi fils, petit-fils. On a peut-être aussi des connaissances ici. Hein. Quoi qu'il en soit, s'il y a des projets, il y a une réussite. Vous signez quelque chose, il y a un engagement, un accord, vous y pensiez beaucoup. Il y a quelque chose qui s'arrête net au niveau professionnel. Alors, il y a peut-être aussi tout simplement des projets ici qui ne sont pas désagréables d'ailleurs. Hein. Donc, vous avez enfin le succès sur une situation que vous souhaitiez clôturer au niveau activité professionnelle. Si c'est pas l'activité professionnelle, on est peut-être en lien avec une somme d'argent. Alors, les 7, 1, 8, non, 9, 2, 10, non, valet de dame, 2, roi, un seul, as. Bon, bah écoutez, alors, nous avons ici vous avec votre activité professionnelle ou la femme la plus proche de vous. Hein. Votre activité professionnelle ou bien tout simplement en lien avec une somme d'argent. Très vite, vous allez être au courant que quelque chose s'arrête net. Alors peut-être un travail, un engagement, une signature, quelque chose que vous souhaitiez mettre en place qui amène un gros chamboulement en tout cas. Vous allez l'apprendre par un courrier qui arrive et vous y pensiez beaucoup. Pour certains, il peut y avoir quelque chose en lien avec une jeune fille brune. On voit ici que il y a quelque chose d'acté pour cet homme ou en lien avec cet homme en tout cas et qu'il y a une réussite très amicalement qui se fait autour de vous. Il peut y avoir une réussite pour un jeune homme blond également autour de vous, il y a des projets ici avec votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. En tout cas, s'il y a des projets familiaux, c'est très positif. Hein. S'il y a des projets également, peut-être de travailler à plusieurs, un travail d'équipe également, on voit qu'il y a quelque chose de plutôt très positif. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre lundi 18 novembre 2024. Lundi 18, il y en a trop qui sont tombés. Il y a quand même le travail hein, qui réapparaît. Lundi 18 novembre 2024. 18 novembre 2024. Nous sommes sur un nouveau départ. Là, on prend une nouvelle direction. On voit qu'on va prendre de la distance en tout cas. Il est peut-être même question de prendre la route, d'aller au lointain.
Vous pouvez apprendre une naissance, hein, qui vient d'une autre ville, un autre département, une autre région qui est au lointain. On voit qu'il est vraiment question là de démarrer quelque chose de totalement nouveau et on acte pour ça, on signe un contrat, un engagement, on l'a vu, hein. On change de travail, on s'éloigne ou bien on va se déplacer pour le travail. Il est vraiment question d'apprendre aussi, comme je le disais, une naissance, une grossesse liée à une autre ville, autre département, autre région. Pour certains, c'est comme si on se mettait aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, concernant peut-être justement pour avoir un bébé, on acte quelque chose. Vous voyez, s'il y a des examens à faire ou bien une FIV par exemple, voilà, eh bien, on se déplace pour se faire. Et donc, c'est pour ça que on acte quelque chose positif. Allez. 3. 4. Odo, nous retrouvons cette naissance, ce nouveau départ, cette grossesse qui amène un très gros changement avec de la joie, je l'ai vu derrière. Quelle que soit la situation, nous démarrons quelque chose de totalement nouveau qui va porter ses fruits, qui amène un changement. On peut attendre une naissance, une grossesse qui met en joie également. En dominant, nous avons, eh bien oui, quelque chose qui est perçu comme un cadeau. Peut-être question d'argent, là, ou alors quelque chose qui arrive avec abondance, vous voyez. Bon, sinon, on va parler de finances. Quelque chose qui va falloir... On va quitter une situation, là, hein. Enfin, peut-être une situation malsaine qui était là. On prend beaucoup de hauteur, hein. Les choses arrivent. Grâce, peut-être, justement, à du financier. On quitte ce qui ne convenait plus. On voit qu'on était en situation un petit peu de malaise, là, on n'est pas bien. Suite peut-être à une séparation pour certains. C'est vous, ma consultante, qui êtes concernée. On voit qu'il y a eu du retard, une certaine situation qui a traîné des pattes, là. Hein. Beaucoup d'émotions, en tout cas, ça a entraîné énormément d'émotions. Un jugement, peut-être, qui vous met en stress. Il a été retardé. On voit qu'il est arrivé, hein, puisqu'il y a un cadeau. Mais effectivement, quelque chose qui est une officialisation suite à une séparation, côté financier des choses aussi, parce que ça coûte des sous, tout ça. On voit qu'effectivement, il y a des sentiments de malaise autour de vous. Voilà, je venais de le dire. Hein. Perturbe tout ça. Sentiment de ne pas être à sa place, d'être... de rater quelque chose, d'être en échec. On est très positif, très négatif là, hein, on le voit. Hein. Regardez, vous allez signer quelque chose, les amis. Quelque chose qui va être perçu comme un cadeau qui arrive pour vous, suite à une séparation où on n'était vraiment pas bien, beaucoup d'émotions d'ailleurs. Eh bien, on va acter quelque chose. On voit qu'il y a un problème d'argent autour de cette situation. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'on voit bien la loi, hein, le tribunal. On va prendre beaucoup de hauteur avec ça. On voit qu'il y a eu, peut-être on vous a arnaqué, on a essayé de vous arnaquer. Si vous êtes en demande de pension ou autre, par exemple, on voit très bien que les parties adverses ne sont pas d'accord. On va, bon, en dominant, vous avez... cadeau, donc vraiment le truc qui vous arrive positif, et vous avez, on prend beaucoup de hauteur, on va pouvoir séparer tout ça. Allez, j'en vais prendre une deuxième lecture, bien entendu. Je vous mine suite à une séparation, on était en échec, il y a de la jalousie et des reproches. Alors, l'enfermement, regardez. Ça vous minez, vous allez vers une évolution. Le mental, il va s'apaiser, d'accord? La séparation, ça dure depuis un certain temps. On est en attente. Ou il y a un moment déjà que vous êtes séparé d'une situation, de quelque chose, de quelqu'un. Beaucoup d'échecs. L'échec, on voit que vous allez retrouver, j'allais dire, beaucoup d'émotions. L'échec, on voit que vous retrouvez la tranquillité,
l'apaisement, les amis, puisque ça va s'arranger. On va s'apaiser. La jalousie, ça peut être, occasionne beaucoup d'émotions, hein, mais la jalousie peut être aussi en lien avec une situation sentimentale. Hein. Accusation, une femme qui vous pose quelques difficultés, je pense. D'où ce côté loi que vous faites intervenir. Ah, ça peut vous parler, mon consultant, également. Hein. Mais pas que, hein, bien sûr, pour vous, ma consultante. Hein. Quelque chose qui arrive de plutôt positif, perçu comme un cadeau, d'ailleurs, qu'on officialise, qui va amener beaucoup d'amour. Ça jalouse peut-être, hein. Votre situation est peut-être jalousée. J'ai envie de dire, on s'en moque, vous actez et vous retrouvez une belle tranquillité. Il faut savoir pardonner cette jalousie. D'où cette carte de l'indulgence qui est tombée tout à l'heure. Allez, Monsieur Béline, pour notre journée du lundi 18 novembre, la maison, le foyer, lundi 18 novembre, maison, foyer, lundi 18, rien à faire, hein, ça revient, hein. Nouveau départ, naissance, process, waouh. Vous êtes protégés, les amis, pour certains, concernant une grossesse qui est perçue comme un cadeau, quelque chose de beau qui arrive enfin. On voit qu'on a un nouveau départ ici, hein, qui est protégé, qui est béni, nouveau départ sentimental, ou en tout cas quelque chose qui met beaucoup d'émotions. Hein. Nous avons ici une femme. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Vous allez pouvoir prendre une décision. Peut-être avez-vous été aidé d'ailleurs. Hein. On a la sagesse ici par rapport à vos ennemis. Donc, vous allez savoir, vous allez être guidé. Vous allez savoir comment certainement prendre les choses. Comment vous allez pour certains être aidé par une femme d'ailleurs qui va vous amener. Ça me fait penser un peu à la tempérance. Qui va vous amener la solution, c'est inattendu, mais ça va vous permettre de savoir dans quelle direction aller et surtout comment, et tout en sagesse. En dominant, nous avons l'argent, décidément. Cet argent retombe, il est là présent. Et vous avez une belle reconnaissance, en tout cas, les amis, hein, concernant du financier. Vous avez été arnaqué, eh bien, vous avez les honneurs pour cette arnaque, une belle reconnaissance. Il y a autour de vous de la trahison, on l'a vu avec monsieur l'oracle des miroirs, des gens néfastes, hein, bien entendu, on vous demande d'avancer. Vous voyez exactement ce qu'on a vu avec sagesse, hein, en fait, hein, inattendu, l'aide, le soutien, on vous demande d'avancer. Il peut y avoir une situation familiale également, hein, certainement. Au niveau famille, il y a quelque chose qui s'arrête. Effectivement, qui se déconstruit. L'accident, ça peut être aussi le côté où on n'est pas bien, on est bouleversé, vous avez subi un choc. Ça peut être sur ce que vous essayez de mettre la voie de vie de tous les jours, ce que vous essayez de mettre en place. Pour certains, bien sûr, ça peut être le travail. Hein. Mais on voit qu'on est sur un nouveau départ, les amis. Gros choc, bouleversement, déstabilisation. La vie de tous les jours. On est sur un nouveau départ. On va pouvoir se reposer, s'apaiser. Peut-être même que certains, justement, concernant l'argent, on revient au niveau travail. C'est peut-être un arrêt de travail, hein, aussi qui posait des problèmes, bien entendu, avec des genres demi-journées, ça. On est, voilà, le problème de sécu, vous voyez, de paiement. On va pouvoir s'apaiser. On était en litige, effectivement. On était en désaccord. Eh bien, vous avez la réussite. Vous avez la réussite suite à un arrêt maladie. C'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est un petit peu ce que je le ressentais. Il y avait une baisse de morale, hein, qui était là. Hein. Ça arrive. L'argent est là suite à un procès, à un litige. Ça peut toucher l'environnement familial. On peut être en arrêt chez soi.
On voit qu'il y a eu une arnaque suite à un arrêt maladie, on va pouvoir poser. Ça concerne la vie de tous les jours, peut-être le professionnel. Ce petit bonhomme vous demande d'avancer. On a déconstruit quelque chose autour de ça, il y a la réussite et on est sur un nouveau départ. Peut-être des demi-journées, peut-être un litige où on vous avait été arnaqué, une situation qui peut toucher la famille également, hein, ton désaccord familial qui touche l'argent. Hein. Allez. L'arnaque. Alors, ça peut être sentimental, émotionnel aussi. Vous avez d'où ce chamboulement. Hein. C'est dans la maison. Hein. Il peut y avoir un souci rencontré dans la maison qui vous a émotionnellement beaucoup, beaucoup impacté. Hein. Oui, et ça peut être en lien avec une femme. On voit aussi qu'il peut y avoir eu des soucis concernant le travail, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des demi-journées, un arrêt maladie remis ou peut-être pas accepté ou bien contredit. On voit que, en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ et vous avez la réussite dans ce sens, les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte, si vous le voulez bien. On va prendre la joie de vivre. Pour cultiver sa joie de vivre pour notre lundi 18 novembre. Poisson. Je m'exerce à bannir tout ce qui n'est pas le moment présent plusieurs fois par jour. Il faut se concentrer sur l'instant présent pour savourer les joies qu'il contient. C'est par cet exercice souvent répété que l'on peut sans mal se concentrer sur les joies du présent pendant les périodes difficiles. Balance. Je décide de ne plus me plaindre de mes petits tracas quotidiens, je les garde pour moi. C'est contribuer à rendre la vie plus légère, la nôtre comme celle des autres. Sagittaire. Je fais le beau temps en moi-même. Nous pouvons décider de nos pensées et créer en nous-mêmes un espace de joie sur lequel viendront se dissoudre les contrariétés du monde extérieur. La joie se décide et se construit. Cancer. Je considère mes idées noires comme des idées fausses. Elles ne concernent pas le présent, mais seulement le passé et le futur. Le passé génère des regrets à propos d'événements sur lesquels on ne peut plus agir. Le futur fait naître des craintes à propos d'événements aléatoires. Mieux vaut penser à la réalité de l'instant présent et aux joies qu'elle génère. Vierge. Je bannis de mon vocabulaire les mots qui font mal. Sans nous en rendre compte, nous prononçons parfois des petites phrases assassines. Tu vois bien que j'avais raison. Tu l'as bien cherché. Par la négativité qu'elles recèlent, elles font mal autant à celui qui les dit qu'à celui qui les reçoit. Verseau. Je me souris dans un miroir. Il faut s'efforcer de ressentir de la tendresse, l'amitié, l'amour que l'on éprouve pour ce visage. Il reflète nos émotions, il porte les traces de notre histoire et il nous représente aux yeux des autres. Nous devons donc considérer nos traits avec bienveillance, quels qu'ils soient. Capricorne. Je fais une surprise agréable à quelqu'un que j'aime, un petit cadeau inattendu, un repas partagé, une aide inespérée. L'inattendu décuple le plaisir pour celui qui le reçoit, comme pour celui qui le donne. Faut mettre en scène ses surprises dans la joie le plus souvent possible, ami Capricorne. Scorpion. J'apporte des fleurs ou des friandises sur mon lieu de travail. Toute façon de mettre un peu de bonne humeur et de surprise dans la communauté est bon à prendre. Quelles que soient les relations entre les membres du groupe, l'inattendu les assouplit. Les sourires que l'on reçoit en retour mettent de la joie dans le travail. Taureau. J'ouvre un dictionnaire au hasard et je picore un mot par-ci par-là. C'est une façon agréable de laisser l'esprit vagabonder. On perçoit ainsi les liens qui se tissent entre les choses. Ce qui à la fois nous libère de nos obsessions et nous relie au vaste monde. Gémeaux,
Je remercie la vie de m'avoir donné cette capacité de créer la joie en moi. Une action de grâce, quel qu'en soit le destinataire, est toujours créatrice de joie et d'apaisement. Bélier. J'ose me reposer lorsque je suis fatiguée. En respectant son rythme physique, en écoutant les messages de son corps, on fait la paix avec lui et on le considère comme ce qu'il est, notre meilleur ami, l'agent indispensable de notre bien-être et de notre joie. Lion. J'apprends à reconnaître le parfum qui me procure le plus de plaisir et j'en arrose ma chambre. L'olfaction est notre sens le plus archaïque. Il s'est construit très tôt lorsque nous étions encore dans le nid douillet du ventre maternel. Il est bon de flatter ses sens, trop souvent agressés. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 18 novembre 2024 vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne, les amis. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain.